Nouvelle matinale sur Talos. Alors, on est dans le dernier quart, entre guillemets, puisqu'on aura quand même les portes dorées à faire, donc ça c'est 0%, mais le reste on est à 75. On arrive sur, du coup, l'ouest. Je crois que c'est l'ouest de la map. On avait libéré l'image qu'on vient de voir, on vient de la faire. On a libéré Prométhée. 20 de Dieu. Hop! Et donc voilà, Delta Occidental, c'est parti. How's the system looking, Melville? Any obvious changes? It's still a mess, but things are clearing up. I can access some of the subroutines that I was locked out of before. Nothing is obviously malfunctioning, I think. Does it still accord special significance to 1K? Yes, it recognizes 1K as a user. I'm just hacking things. As I suspected, the Founder sees you, 1K. C'est les 1000 Comédax. Je vais faire ça. J'avoue, ouais, si tu rattrapes comme ça quand on fait la session, c'est juste la session farm de titres, ça peut être pas mal. En vrai. Mais ça peut être un peu loin à rattraper. Hein. Je pourrais peut-être t'accompagner pour une partie, ça me faudrait voir. Oh là là, on a plein de discours à faire. C'est l'automne ici. C'est mon bro Rand. Greetings. Oh là, tout ça. It's not hard-coded into us. It may be a distraction from what really is. En vrai, moi j'en ai pour 5 heures à peu près ça. Si ça peut donner un ordre d'idée. J'ai jamais mis la rediff d'ailleurs. A place where conflict and suffering don't happen. Because its people have worked out how to live harmoniously. I'm more of a classicist than a physicist. But I doubt infinite power in the physical realm will solve our conflicts in the spiritual one. I cannot deny that it has a certain allure. Puzzles are part of our programming, and what Athena has created here speaks to that part of ourselves. After all, what am I doing if not trying to solve a puzzle? The puzzle of human morality. Plus t'avances, plus il y a de monde dans les dialogues. Ouais, c'est clair. Après, tu vois, j'ai trouvé ça à double tranchant, tout du moins là, tout le long de ce que j'ai pu faire. Ça fait plus de 20 heures que je joue. Il y a eu quelques fois où je me disais ah, ça fait beaucoup de dialogues quoi, et en même temps ces dialogues ils sont intéressants, ces dialogues avec un C hein, pas lui les siens, et les dialogues sont intéressants, apportent énormément, étoffent énormément en termes de lore, de personnalité des bonhommes et tout, but bah, ils sont nombreux quand même, quoi qu'il arrive il faut quand même se les farcir entre guillemets, je trouve. Des fois t'es obligé d'enchaîner un peu trop, bah là c'est ce qui va se passer d'ailleurs parce qu'on a deux bonhommes à enchaîner. Cornelius founded the Museum of the Simulation and greatly encouraged the work of the Archive Scholars. He and Eustathius are the bedrock of scholarship in New Jerusalem. His entanglement with all this seems absurd to me. Mais c'est qui lui? What can I do for you, 1K? I believe that journalism serves an important function in our society. Ouais, and I'm vu, dedicated to reporting the truth ah, oui, with accountability ouais. And responsibility. C'est celui qui nous a dit s'il nous a demandé s'il pouvait nous citer et tout. It means understanding that I can't just publish things without considering their impact. Serious disruptions to the social fabric of New Jerusalem could endanger lives. That's not journalism anymore. Les persos ils ok, mais les textes dans les bornes. Alors j'ai trouvé que les textes dans les bornes il y en avait plus, ou du moins ils sont amenés différemment. Je trouve que c'était effectivement plus fluide dans le 1, les textes, j'avais moins ce sentiment. En gros, t'arrivais dans ta zone, tu lisais 3 textes, et c'est cool. Et les 3 textes c'était sur les 3 variantes, il y avait le truc spirituel, il y avait le truc philosophique, et il y avait des extraits de blog. Et il y avait 4 variantes en fait, il y avait les éléments qui parlaient du projet. Là, effectivement, c'est peut-être amené moins fluide, je sais pas. C'est vrai que quand tu les lis, des fois, t'es à la web, boum, ça fait beaucoup. Hein.
Mais c'est quand même toujours intéressant, on retrouve quand même ce qu'il y avait dans le 1. Peut-être les textures me paraissent peut-être plus pertinentes, mais est-ce que c'est pas l'aspect nostalgie qui joue? Ou par rapport au fait que forcément dans le 2 on a des acquis, du coup ils peuvent pas se contenter de faire les trucs basiques du 1, entre guillemets, c'est pas basique, mais... Sur le 1, il y avait rien d'autre, donc ils pouvaient aborder tous les sujets qu'ils voulaient, c'était 9. Là, s'ils veulent se renouveler, ils sont obligés d'aborder d'autres sujets, d'autres subtilités de la réflexion. Et salut Seraph. As a journalist, I think the line between speculation and disinformation is too thin for me to engage in guessing games. It's a complex issue, and I think it should be left to experts. Non, j'ai une base de l'or, donc plus facile de faire du nouveau. Bah c'est ça. C'est un peu ça, je pense, la difficulté. Et en vrai, je trouve qu'ils ont quand même beaucoup réussi l'exercice de faire un 2, quoi. Pour moi, l'essai, il est transformé, hein. Oh! Oh! Oh, bébou! On va aller dessus? Oh! Pardon. Les odieux de Trevor. Ah, c'est un bon Trevor. Ok. C'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Bien reposé. Ah ouais, carrément, carrément. Ah là, il empêche. Ça, c'est un peu drôle. Bon, j'imagine qu'on peut... Ouais, donc faut que je le mette au-dessus, en fait, quoi qu'il arrive. Admettons... Bon, du coup, faut d'abord que j'ouvre à nouveau. Ah non, c'est bon, c'est ouvert. Eh ben, on n'est pas arrivé ce matin, je vous le dis. Hein. Pas rendu, hein. J'ai mis 3 jours à faire le truc... basique. Mais le problème, moi je veux bien, mais je peux pas passer là. Bon, ouais, on va pas réveillé. Oh, sous le glitch. Hein, hein, ça nous emmène où quand on fait ça? Attends, juste pour oui, ok. Mais oui, bien reposé, tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Non, mais il peut aller jusqu'au bout, là. Oh, il peut aller jusqu'au bout. Let's go. Ah bah, du coup, c'est gagné. Ça va, du coup, c'est pas que j'étais débile, c'est qu'il manquait un morceau de... pour comprendre. Me voilà rassurée. Allez, du coup, on va l'activer de là. Ah. Oh. 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 Eh ben, dis donc, pour un niveau 1, c'était déjà... Mais ça nous apprenait que le truc pouvait activer des interrupteurs et qu'on pouvait le déplacer. I know you're all thinking about the goal and the theory of everything. Is the past what we thought it was? Is the future what we want it to be? But the only thing that's real at the end of the day is the present. And right now, what matters is that our friend is lost and needs our help. Oh. Oh, parfait. Ça, Vaudou, j'avoue, vu qu'on parlait des dialogues et tout, je suis trop satisfaite quand j'arrive sur un où c'est juste un audio. Je suis en... Oh. Let's go. The reason I have always admired Alexandra Drennan is that even in death, she fought to see the world as it is, not as she wanted to see it. I say fought because I believe this is not an easy matter. It is a mental and spiritual struggle that we must undertake with great seriousness, even when we are joking. The ancients believed that for most of us, the world is a shadow cast by a flame, dimly seen on the wall of a cave. Trop tard. A task is not to interpret these shapes, but to free ourselves from the cave itself. What can I do for you? It's possible. I won't trust Prometheus until he actually leads us to Byron, but yeah, seems likely. But even if it is a myth, that doesn't mean we can just abandon it. Myths can contain elements of truth, and I think this one exists for a reason. Maybe we had to create this imaginary founder because the real one lost her way. It's the only way I can explain what she's built here. She got wrapped up in her ideas and lost all sense of perspective. People have thought they understood everything before. Obviously, Athena has unlocked tremendous powers, but forgive me if I'm skeptical that her theory really encompasses everything. Then I don't think it's something we need to know. We're not going to find happiness or meaning in some equation, 1K. Byron couldn't stand him. Have you ever tried asking the mayor a difficult question, he used to say? But I think he does an all right job, to be honest. I try to stay out of their circuits, and they try to stay out of mine. Helga is an old friend, but the others, they're not my crowd. He's smarter than people give him credit for. There's more to some folks than meets the eye, you know. Il est malin quand même, Alcatraz. Il est sage. En fait. Et du coup, je suis d'accord, Voodoo.
C'est un des gros points forts du jeu et c'est ce qui, à mon sens, le rend probablement accessible même pour des gens qui débuteraient dans ce genre de jeu. C'est que vraiment, il t'amène à bien comprendre les spécificités de chaque élément. Qui plus est, sont variés, donc ça c'est cool. Mais je sens que je vais pas les aimer, les trucs qui font ouh. En vrai, je pensais que les trucs anti-gravité, ça allait être horrible. Et au final, j'ai beaucoup aimé. Là, je sens que ça va être une autre histoire. Ça, ça va être galère. Ça sent la galère. Je sens une certaine... Oh, une certaine galère arriver sur ces plateformes-là. Ouais, les deux sont bien en fait, les deux bonhommes sont intéressants des fois. Je vais amener jusqu'au milieu, je pense. Hop. Alors, j'ai dû faire plus. Raiders detected. Merci, Renard. Enjoy your stay. Bienvenue, les gens. Bienvenue. The Slayer. Oh, faut qu'on parle un truc, Orana. La dingue. Est-ce que t'as vu la roadmap de Lords of the Fallen? En vrai, ils ont prévu plein de trucs. Genre avec des nouvelles questlines et tout. Bon, c'est particulier parce que ça va pas trop avec ce genre de jeu, mais pourquoi pas. Genre, il y a tout un... Je t'envoie le lien. Attends. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton raid. Attends. Ça arrive. Hop, il est là. Tac. Juste là. Et en fait, ils ont carrément une roadmap façon Game as Service, en fait. Un peu. Puisque... Bon, après, ils mettent dedans aussi leurs équilibrages et tout. Mais ils rajoutent des questlines petit à petit. Marrant. Ça fait genre, si tu joues au jeu dans un an, il y a moyen qu'il soit assez différent. Quand tu y penses. Du coup, voilà, j'ai mis le lien. Oh, je l'ai pas mis assez loin, je crois. En VDM. Plus loin. C'est un peu ça. Hein. Ah, je l'ai mis trop loin en fait. Ok. C'est à double tranchant effectivement quand ça fait ça. L'idée était là, l'exécution moins. C'était sur quoi du coup? En tout cas, bienvenue les gens. Nous on commence le live. On est sur show 3 quarts du jeu classique en tout cas, pas des bonus, de Talos Principle 2. Et comme vous le voyez, nouvelle mécanique. Avec un petit plot à déplacer. Alan Wake 2, nice. Alan Wake. En vrai, j'ai un doute là. Wake. Alan Wake. Si je me mets là, je l'ai pas.
carrément tout là-bas. Possiblement. Possible. De là, il passe. Bon, faut qu'il refasse tout le trajet. Ah, la maison de retraite, oui. La maison de retraite, c'est... C'est quand même le moment le plus... En fait, la vieille, elle fait vraiment peur, je trouve. Ça, c'était sûr. Elle fait extrêmement peur. Je crois que j'ai peur des grands-mères en fait. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Bah, ça a toujours été dans la Noé, c'est ce que je trouve marrant, c'est que genre, t'as peur. Alors qu'en vrai, bah, y a pas un milliard de mobs et tout. C'est l'ambiance qui fait peur. Effectivement, l'hôpital, y a rien dedans. Non mais c'est une... Non mais grave. Elle m'a déçue. Elle était gentille à la base. En vrai souvent tu te rends compte que t'as flippé pour rien quoi. C'est ça qui est marrant. C'est profond. C'est profond. Pardon. Salut Emra. C'est la joie de la vie. Alors, évasion. Donc, il va falloir le faire sortir, j'imagine. J'ai trouvé que le niveau 2 était plus facile que le niveau 1. En tout cas. Ok. Je pense qu'on peut y aller tranquille comme ça. Ah, en vrai, dans ce cas... Ah, mais il y a le bleu aussi, hein. Ouais. Ouais, il y a le bleu. Petite idée pour le bleu. Ça me semble pas déconnant. Est-ce qu'il reste une plateforme quelque part? Passe pas là? Ok. J'essaye ça. Allez, vamos, hein? Écoutez, ça s'est très bien passé. Je pense que c'est pas mal ce qui vient de se passer déjà. Ensuite. Ça va bien toi, moi. Je sais que... Ça peut, hein, ça peut. Non, mais je le sens bien. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Ok. Vas-y, rentre à l'intérieur. Ah. J'ai fait une connerie. Tu te rappelles quand tu disais le karma? Attends, faut que je le laisse re-rentrer.
Vas-y. Si, si, tu peux le faire. Oh, qu'un effort, hein. Petit mal de tête. Ah. Embêtant, quand même. Bon, on va déjà le sortir normal, quoi. Genre, on va pas chercher compliqué. Voilà. De cette façon, il est sorti. Là, en vrai, je peux me ressortir moi, y a pas de problème. Faut pas non plus overstress le truc. On doit pouvoir gérer. Mais vraiment là, il n'arrive pas à passer la barrière. Oh, il est une pute. Bon, c'est pas grave parce que j'ai vraiment besoin d'une deuxième, je crois pas. Hein. Don't think so. Personne qui met son bras. Un peu ça. Sinon, dans l'immédiat, on fait ça. Vas-y, viens. C'est bien. T'es un bon. T'es un bon. Non, bah ça y'a pas besoin, mais vas-y. Quand tu veux. Ok. Pour la technique. Ah, quand même, fallu récupérer l'autre. Je conçois. Alors en vrai, j'ai une autre idée. Il dépasse l'entendement. Mais oh! Depuis Denis ici. Ce micmac. Non, mais ça va le faire. J'ai confiance. Regardez ça. Non, si. Pardon. Qu'est-ce que... Ah, ça passe plus. Attendez. Il y a quelques connexions à faire. En vrai, lui, il devrait être dehors. Hein. Je conçois. Je conçois bien que c'est le problème. Mais je reste assez confiante avec mon projet. Je pense que je peux m'en sortir. Ah, allez, il va pas vouloir. Hein. Hey. Mais là, si je fais juste ça, en fait, c'est bon. Regardez. C'est bon, c'est bon. Mais il y a quand même beaucoup plus simple pour faire ce niveau, je pense. Je pense que... Et voilà. Ok. Et ensuite... Attendez. Parce que là, j'ai re-axé comme ça. Je peux refaire ma magouille. Voilà. Et là, je refais ma magouille de là-bas. Ah! Voilà.
Bon. Ça passe. Ça passe. C'était très roots, mais ça passe. C'est le principal. Mais je pense ici, là, je peux le sortir, lui. Tu l'as sorti, Vaudou? Je pense que c'est ça que j'ai un peu... Non, j'ai fait pareil. Ok, bon, ça me rassure. Ça se trouve, c'est comme ça qu'il va se faire. Hein. Salut, Koketsu! Face au déclin, extrait d'archives choisi. Nous vivons dans un système en décomposition qui à son tour produit des idéologies et de la décomposition pour justifier son existence. Des idéologies de la décomposition. Peu importe les éléments culturels qui les accompagnent, ces idéologies aboutissent au même résultat concret. Un avenir dans lequel l'individu moyen est dépossédé. Pour paraphraser Mark Fisher, il nous est plus facile d'imaginer une civilisation sur le déclin qu'à son apogée. Ceux qui croient encore que l'humanité peut prospérer, qu'il existe une voie autre que les déclins volontaires ou accidentels, ne sont pas en phase avec le système. Quelle que soit la formulation de nos arguments, ils seront perçus en termes d'éléments culturels auxquels l'auditeur s'oppose. C'est une situation profondément frustrante, déprimante, voire exaspérante. Mais que pouvons-nous y faire, si ce n'est expliquer patiemment et espérer que les conditions évoluent? En d'autres termes, que pouvons-nous faire d'autre que garder la foi? Bah, tu peux faire ta Lost Principle. Ce texte a été rédigé quelques mois seulement avant la découverte du virus. Les conditions n'ont pas eu le temps d'évoluer. Jour 882. Non mais on fait de plus en plus de bons en avant sur les jours. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit un mot dans mon journal. Bah oui, hein? N'est-ce pas, Hypati? T'es pas assidu. Beaucoup de choses ont changé à la Nouvelle Jérusalem. Nous avons aménagé une bonne partie des logements et l'ancien entrepôt a été transformé en salle de cinéma. Nous disputons toujours et pas qu'un peu. Mais maintenant, c'est surtout pour savoir quel film nous allons regarder. Les autres travaux de construction vont bon train, même si les ressources facilement accessibles commencent à faire défaut. Nos expéditions de récupération s'étendent de plus en plus loin au fil des mois, et les sites signalés ont l'air absolument merveilleux. Un jour, j'aurais peut-être envie d'aller les voir par moi-même. Dans ce contexte, l'arrivée prochaine de deux nouveaux citoyens est une bonne chose, car tout le monde est très occupé. Plus de mains pour nous aider à construire notre avenir. J'ai hâte de les rencontrer. Oh. C'est beau là. Attends, je prends une photo, Trevor. Deux secondes. J'aime bien comment ça rend là. Is this supposed to work? The system is meant to last centuries. Centuries. And yeah, Chernyshevsky's plan, brilliant. Absolutely brilliant. But I'm working with hardware that was deliberately designed to fail. Planned obsolescence, baby. Sell them broken garbage just to make another buck. A buck you can't even spend because in a few more weeks, we'll be extinct. Was it worth it? That's the part that Alexandra doesn't see. The greed, the stupidity, the selfishness, the way that we created this whole situation in the first place. She wants you to be like us, but if you ask me, there's a whole lot of human history and behavior you can just throw away. Chuck it in the trash, right? You have a chance at a fresh start. Make the best of it. Oh. Wonkai, listen. I wanted to ask you something. Vas-y. From your perspective, as someone who's still new to our society, do you think New Jerusalem betrayed Athena? Ben non, pourquoi? C'est bien le dernier. It's not. You're right. And Byron and a handful of others stood up for Athena. But what did I do? Just kept working. The occasional sarcastic remark isn't resistance. It's not fighting for something. It's just thinly disguised apathy. Is that what I'm doing? I'm not so sure. He's tried to protect us from our own worst impulses. I understand that.
I share a lot of his concerns, but he's gone about it the wrong way. I don't know. I suspect he's around here somewhere, biding his time. But what he's waiting for, not a clue. Yes, of course it is. I don't know. If the future I dreamt of is too dangerous, then I need to find a way of being satisfied with what we have. Because our ancestors were so full of themselves, they killed tens of thousands of species, including their own. Go have a look at the Dead City sometime. It's not far from New Jerusalem. That'll tell you everything you need to know. Alors, attendez, parce qu'on a aussi une notif. J'ai quoi dans recherche, là? Ah oui. Si ce que Prométhée a dévoilé concernant la théorie du tout est vrai, alors cela explique une grande partie des plans que j'ai trouvés. Parce que toutes les structures artificielles de cette île ont été formées par un processus de transformation de l'énergie en matière. Ou peut-être par différentes versions de ce processus, certaines plus anciennes et moins efficaces. Je ne peux que supposer que la mégastructure elle-même a été créée par amorçage en faisant en sorte qu'une machine en crée une plus grande. Ce qui signifie sans doute qu'il est possible de créer un appareil relativement petit qui se transforme lui-même en une mégastructure complète. Ou alors on pourrait créer une machine qui se développe de plus en plus et construire quelque chose, une ville dans une boîte, tout dépend de la source d'énergie, je suppose. Alors, j'admets que de nombreux citoyens ressentent le besoin de discuter de One K et de ses visions qui remettent en cause les certitudes que nous avions au sujet de la fondatrice et du plan. Cependant, il s'agit d'un sujet houleux. Aussi, je demanderai à chacun de faire preuve d'une grande prudence dans le choix des mots employés. On a la preuve irréfutable démontrant qu'on s'éloignait de la vision originelle d'Athéna. D'accord, mais j'aimerais ajouter que même si ce n'était pas le cas, concevoir délibérément un avenir pauvre en énergie resterait une idée désastreuse et misanthrope. Ça, c'est clair. Comment savons-nous que tout ça est réel? La voix... Parce que c'est des robots, quand même. Faut quand même qu'ils se chargent. La voix d'Athéna est celle d'Alexandra Drinan. Je pourrais utiliser cette même voix en ce moment même et m'enregistrer affirmant que le plan est la vérité. Ovis soulève un point crucial. La vérité objective n'est pas un concept applicable au monde dans lequel nous vivons. Très bien. Alors pourquoi ne pas décider collectivement de croire en quelque chose d'autre? Oublions Athéna, embrassons plutôt les idées de Byron. Les idées de Byron sont une téléologie fantasque. Si tout cela est arbitraire, quelle importance? Je ne crois plus au plan, Byron avait raison. Les convictions d'Athéna ont-elles de l'importance? C'est une vraie question. Admettons que la fondatrice soit un mythe construit autour de sa personne. Dans ce cas, quel est le véritable héritage d'Athéna? Je ne saurais le contester, je ne sais pas si l'idée lui appartenait vraiment, mais si tel était le cas, on doit se demander pourquoi elle a adopté cette philosophie obsolète, puis se demander si le plan peut encore exister sans le culte de la fondatrice. Blasphème, la fondatrice et le plan sont indissociables, oui ou pas? Ou bien sans importance car il s'agit d'extraterrestres. Jacques... Jacques, à chaque fois, il croit qu'il y a des extraterrestres. Il me fait trop rire. C'est beaucoup trop drôle. Il me tue. Il n'y a rien d'autre là-dedans, on est d'accord. Hein. Attends, Parker passe de l'autre côté, j'imagine. J'ai grande conviction qu'il va devoir repasser de l'autre côté. Attends, Denis. Hein. En rouge en plus. Il faut quand même que je passe en bleu, moi. Ah, mais je peux ouvrir après. Ok. Mais attends. En rouge, tu dis? Ah oui, ok, c'est bon. Ok, ok. Paf, paf, boum. D'accord. Et il va falloir qu'on soit en bleu ici. Ok.
Et dans l'immédiat, si je veux aller de l'autre côté. Ok. Repars. On veut plus de toi ici. Ok, stop. Ça, c'est ok. Mais faut qu'on passe de l'autre côté, bien entendu. Bien entendu. On va voir ce qu'on fait. Parce que là, c'est pas obvious. Hop, pinceau, je vais laisser ouvert ici. On va réfléchir. Pardon. C'est marrant de voir les choix que tu as ne sont pas forcément les mêmes que ma reine. Ah ouais? Mais même, ce qui est encore plus drôle, c'est que visiblement, Jacques finit quand même par dire que c'est les aliens. N'est-ce pas? Alors bon, est-ce qu'on n'inverserait pas ces deux-là, finalement, hein? Ce qui nous permettrait à... Ce qui nous permettrait rien du tout dans l'immédiat, mais... Ce qui nous permettrait ensuite... de faire quelque chose. Attendez... Attends... Il faudrait pouvoir réussir à inverser les deux. On n'a pas de rouge, donc vaut l'inverseur, hein, ça c'est sûr. Si je pouvais passer ici... Ah, mais j'ai pas besoin de passer ici. C'est donc ça. Oula, j'ai activé un peu trop de trucs, mais ok. C'est pour ça qu'on a une plateforme comme ça et pas un cube. Donc, c'est lui qu'on va mettre là-dessus. Allez, commence. Attends, on a quand même un problème. Denis, on a quand même un problème. Lui, ouais, on verra bien. Mais tu vas le faire ton truc ou... C'est un peu drôle ça. Marche pas des masses du coup comme un. On va quand même le faire dans l'autre sens au final. Reviens ici. Ouais, mais si on fait ça, on pourra plus passer là. Ok. Ça fait la même, hein, je pense. Ouais. Ça suffit, arrête d'essayer de glitcher, moi. Ouais. Il faut quand même que j'ai lui de ce côté, sinon on va avoir des problèmes l'autre. Ce level. On va avoir des problèmes si on met pas lui de ce côté. À mon sens. On puisse le faire de là, mais non. Parce qu'à la fin, je vais faire ça, ok? À la fin, je vais faire ça et je vais aller là et ça sera ouvert en rouge ici. Puisque le rouge, il sera actif sur ça. Point barre. J'ai envie de dire.
Il faudrait qu'il soit dessus. Et il est pas trop dessus, quoi. Il est pas trop dessus. Il pourrait être dessus, mais... T'as trop moins ce level, ça me rassure pas. Ça me rassure absolument pas. En vrai, je peux partir avec. Si je peux partir avec, la question se pose plus d'avoir le bleu ici. Je vais partir avec. C'était pas mal, hein. Ah, c'était pas dégueu. En fait, je peux pas passer là. C'est trop loin. Je vais faire juste un truc. D'ici, on a le bleu. Ah, on a le bleu d'ici. Stop. Stop. Arrête. Ok. Là, ça passera pas. Ok, ok, ok. Mais on a le bleu de là-bas. On a le bleu de là-bas. Oui, enfin, on l'a d'ici aussi, en vrai. Ça change rien à ton histoire. Et là, ça touche le bleu. Là, ça touche. Mais comme c'est pas ouvert, ça changera rien. Ça aurait pu être sympa. Là, il y aurait eu le lui. Sur la plateforme. Comme ça. En train de... On était bon, quoi. Mais non. On l'a refait à demi. Attends. Je pense qu'il est pas si compliqué que ça, mais que je fais non. Je crois que je me trompe peut-être. Je vais pas pouvoir viser l'autre côté, quoi. Donc, bon. Bien gentil, mais... Attends. C'est évident. Je vais en tout casser.
Stop. Mais là, je peux sauter par-dessus ou pas? Non. On va faire par trouver. Hein. Calme. Attends. Mais le truc que je voulais faire tout à l'heure, il marche toujours. De là, bah. Hop. Sauf que là, faut réussir à ouvrir ça, je peux pas. I can't. Oh, on peut peut-être le faire en deux temps, hein. J'ai commencé à Walker Texas Ranger. J'ai juste une question. C'est forcément rouge pour activer ça? Ouais, c'est rouge. Ok. Sinon, il s'en fout. Voilà, on est revenu au tout début. Est-ce qu'il n'y a pas encore ce truc de bloquer une connexion et puis ensuite il y a moyen. Truc comme ça là. Quand même tu sais. De toute façon faut pouvoir y aller avec lui. Que si tu vas pas avec lui, bah tu peux pas mettre la dernière connexion. Il y a ça aussi. Si tu pars pas avec le truc, tu peux pas mettre la dernière connexion. On finit par trouver. Hein. Bah là, il y a déjà de l'autre côté, donc là, je peux faire le truc que je faisais tout à l'heure, en fait. Je suis en train de réaliser. Les inverser les deux. Oh, il est du bon côté. Ça se fait. Je peux plus du coup. Ah, j'ai tout cassé.
change rien, hein. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais lui, si j'arrive à le mettre là. Courage, tu vas le faire. Ah bah oui, oui. Pas de raison. Hein. Y'a pas de raison. Quand même un laps de temps où lui il part avec et c'est bon quoi. Mais non, le laps de temps est trop. Ouais. C'est quand même dommage. Et pourquoi je fais pas ça, attendez. De base en fait. Pourquoi je le fais pas en utilisant ça. Un intermédiaire pour qu'il puisse partir. Ah, je pense que c'est pas mal ça. Voilà, attends, Denis revient. Pour qu'il y ait un laps de temps où il va à l'intérieur. J'aime assez l'idée. Et il y aura le temps. Ah oui, mais non. Alors, je veux bien. But. Le problème, c'est que la plateforme, elle va pas avancer. C'est ça, mon problème. Si je peux faire avancer la plateforme avec. Hop. Et là, il y a un délai où, hop, on serait ici. But it's not the case. Parce que quelqu'un, on serait pas mal. Sinon, je vais faire un truc à la limite. Mais ça change rien. Tchuss, Renan! Change rien, mon idée. Je pense qu'on tient un truc avec ça. Ok. Et là, j'aimerais le mettre ici. Non. Désélectionne. Je pense que réellement, le fait de le déporter change la donne. But pas tout de suite. On voit comment. Après, c'est peut-être un truc où si je mets, voilà, multiples connexions, quand une connexion se coupe, ça prend l'autre. Merci pour le succès. PTDR. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est parce que ça fait 20 minutes. C'est-à-dire que c'est la première fois que je fais 20 minutes. Il nous manque ce succès. Bah t'as juste à aller dans la puzzle et attendre 20 minutes aussi, ça. Ça va? C'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. Allez, U! Faudrait qu'on puisse faire U, hein. Les ouf. Ah mais je peux refaire le tour. Oh my god. C'est bon. Attends. Non. Pas du tout. Du coup je pourrais faire le tour par là et faire un truc. Mais non. Mon mauvais. Bon bah voilà, c'était bien. J'espère que ça vous a plu. N'empêche que de là, attends. On peut pas faire un truc de là? Non parce qu'on peut pas les sortir. We can't les sortir.
Et je peux passer la porte parce qu'elle est en rouge. Du coup, si je veux passer la porte, je suis obligée d'être avec lui. Et du coup, j'ai plus bleu. C'est très triste. À moins qu'on fasse comme ça, qu'on le mette là. Et qu'on lui dise vas-y. Non mais je veux dire en refaisant une game. Premier puzzle, tu restes 20 minutes, et c'est gagné. Voilà. Bon du coup bah c'est gagné en fait. Attendez. Je crois que c'est bon. Ah non c'est pas bon. Parce que je voulais aller avec lui. Mais si je vais avec lui bah il n'y a plus l'autre. Gagné mais pas gagné. Sauf si on maintient la co en bas. Ah non, ça change rien. Mais lui là, il peut pas viser. Ah non. Vraiment pas. On n'a pas le visu là sur... sur Brandon. Ah non. C'est pas mal pourtant, c'est pas mal. Faut que je me mouche. Deux secondes. C'est beau, c'est beau. Tu dis rien, Michel, hein, parce que je sais que t'aimes bien Backseat. Nada. Je veux pas de. Ni l'indication, ni quoi, ok. Pardon, reviens. J'ai rien dit. Si hier tu m'as dit qu'on pouvait remplacer le maire, ça c'était un truc. Ben si, un puzzle, tu m'as dit t'as déjà tout ce qu'il faut pour le réussir. Et il y a un autre endroit, tu m'as dit y'a pas besoin de sortir un truc. C'est du backseat. Ce serait marrant que... Ah oui, non. J'allais dire que ça aurait été marrant, mais non, on peut pas y sortir. À tout noter. J'ai juste de la mémoire. Ah, et si je fais... Oh, j'ai trouvé. J'ai trouvé les gens. Toi, tu vas avoir tes chances, Michel. Ça valait le coup. J'ai trouvé. Je le redis un peu. J'ai trouvé. T'as fini tes portes dorées ou bien? J'ai trouvé. Faux, elle a trouvé. Ah bah j'aurais dû passer mais j'ai trouvé. Oui. Il suffisait d'être désagréable. C'est... Il était... Mais il est bien hein.
Mais il était galère, mais... Fallait bien jouer sur un rayon qui change, du coup. Ça me dit quelque chose. C'est le nom du level qui m'a aidé. Ah, c'était quoi le nom? Tell me, Yakut. What impact do you think the megastructure will have on the future of this island? If it stays out of control like it is now, then what happened to Miranda could happen again, but on a much bigger scale. I'm not sure the ecosystem can recover from that. At least not for a very long time, even by our standards. A frightening thought. You know, when I decided that we should call ourselves human, I did that because it seemed like a powerful symbol of our continuity. But the truth is, and I'm ashamed to admit this, I thought we were better than them. I thought we understood the value of civilization, and we wouldn't repeat the same mistakes. But the simulation worked too well. We're not just like them. We are them. We really are. But that doesn't have to be a bad thing, Athena. We may have the same flaws, but we also have all the potential they did. Everything that Alexandra Drennan saw in them is also in us. Oui, I hope you're right. I really do. Ou alors c'est parce que je me suis mouché. C'est les deux options. Michel, le mouchage. What is my purpose? Je voulais choisir. Do I have a purpose? Mother says purpose is something we choose. But I feel like there's something there. Something that's been there from the moment I was born. Maybe even before. Well, there are many ways of looking at this, and everyone's experience is different, so you'll have to make up your own mind. But I have a little theory, if you'd like to humor your old man. Of course. What is it? The universe is eternal, but it's always lost in a deep, dreamless sleep. You are a tiny little bit of the universe that's suddenly woken up, and you've realized that being awake is better than being asleep. And that gives you a purpose. And what is my purpose? To be, Miranda. Just to be. Stop. Ah lui, il a pas regardé. Marrant ça. Ça c'est ventilo, hein. Hop. Ah, et si on active lui pour l'empêcher de passer, du coup bim. C'est pas mal. C'est pas mal du tout cette histoire. Hop. Penser comme quoi, hein. Oh non, oh la chute. Bah alors attends, lui il va où si on fait ça à ce compte là oh, il va au bon endroit. Stop, stop, enfin pas stop en fait, mais... si, stop Joseph. Non, il n'y a pas besoin d'activer lui, mais c'est pas grave. Vas-y. Mais eux aussi, ça faisait un peu ça. Trop bien, let's go, let's go. Let's go.
Regarde. Attends. Tu peux pas aller en dessous là? Je suis sûre que tu peux aller en dessous. Très bien. Oh, merde, fallait que j'aille dessus pour la balle. Ah non. Quelle vie. Ah, puis là, ça fait haut, hein. Là, ça fait haut. Je vais pas vous mentir. Après, on peut toujours faire ça. Ouais, bon. Mais alors, lui, il était juste mal mis, en fait. Ouais, il était juste mal mis, ok. La question, c'est est-ce que je prends ma balle ou est-ce que d'abord je résous le truc? D'abord, on va résoudre le truc. On va être raisonnable. C'est quand même vachement moins dur que le précédent. Hein. Je peux pas vous... You're not entirely terrible at this. Merci, I guess. Ben après, ce qu'il y a, c'est que on peut se dire qu'il y a aussi la beauté des énigmes. Il n'y a pas que la difficulté, donc en soi, effectivement, c'est pas forcément mauvais que... Oh merde. J'ai fait une bêtise, là. En fait, je voulais monter, mais je peux pas monter si je... Je peux être au-dessus à la rigueur. Ça, ouais. Mais ça l'activera pas. Moi, je synchronise aussi. Comment que je fasse aussi lui? Une aventure. Ou juste ça, ça suffit? Même pas. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon, repartez. Pardon. Oh, j'ai tout cassé. Pas du tout, vas-y. Mais enfin, bon, mets-toi de l'autre côté, parce que c'est chiant, en fait. Ok, ok. Là, on est bon, on est bon, on est bon. Bien, j'espère qu'on sera assez haut, avec un seul. Sinon, c'est chiant. Ok, c'est bon? C'est bon, allez. Le jeu a été gentil quand même. Ouais.
C'est pas hier, Vaudou. Non, avant-hier, parce que j'ai pas joué hier. Il m'a fait une pirouette, le truc. J'étais en mode, c'est bon, c'est jouable. Il m'a fait une méga pirouette, j'étais en mode, ok. Oh, y'a l'autre qui veut me parler. Je crois qu'on vient me parler après. S'il va sur les rails. Qu'est-ce que. Oh. Mais pousse. Non mais c'était sûr hein. Ah j'ai. Je sais pas, je. Bon, de toute façon on n'avait pas le temps mais. En vrai pour avoir le succès, faut le faire sur les premiers. Faut clairement le faire sur les premiers succès. Parce que les suivants, le truc il part sur les structures où t'es pas censé monter à l'aide. Hey, can we talk for a second? I'm still struggling. I was really hoping we'd find Miranda alive. Her way of seeing the world was so inspiring. And the idea that I can never get to know her, that she's gone. I guess I've never really been good at dealing with death. Maybe because it's so rare in New Jerusalem, except for pets, and even in that case, I find it very hard to deal with. I still miss my first cat, and it's been over a century since she died. When someone dies, it's this void. I know I should just let it go, but some part of me refuses, and I feel like that part, it hurts me, but it also keeps me human. And I know it would be healthier if I said, okay, Miranda is someone I never met. She's just a bunch of glitchy old files. But if I do that, as rational as it seems, it feels like I'm surrendering something. Something that matters. C'est rough. C'est Yakut, pas Yaourt. I hope so. I can't right now, but maybe I can get there somehow. Anyway, thanks for talking to me, 1K. Of course, go ahead. I don't agree with his belief in the Founder. Not anymore. I think the vision Prometheus sent you was true. I think she's just a human being who made mistakes and paid for them. She deserves our help, but not our belief. Right now, honestly, all I want is to find Byron and Athena and go back home and put my feet up for 200 years. There's something to be said for living quietly. I hear he escaped Pellegrino and peed all over Melville's workshop. So apparently, he's doing great. I miss him, though. I always feel like the fact that he likes me is a huge compliment. Lifts me up somehow. It is, yes. That doesn't mean that the idea itself isn't valid, though. In the ancient year 1969, a band called Mellow Macarin wrote a psychedelic rock song about the Talos Principle. It's called
Cretan Bronze Man's Flying Mystery Adventure. I don't know if it's nice, but it's definitely the most understandable song on the album. There's another one, which is called The Fish People Will Teach You How to Sing, Mr. Allen, which is 20 minutes long and was recorded underwater. I think you need psychedelics to enjoy it, really. Maybe if you stick your head inside a really large magnet. Nope, but at least I finally understand why Athena wanted to get out of the simulation so badly. Great works have been accomplished by those who believed in humankind, but greater things than these may yet be accomplished by those who uphold the faith. C'est le ventilo que ça active. C'est loin. Je pense. Je vais mettre encore un poil plus. Ah non! J'ai un 10. Du coup là il arrivera pas. Mais pourquoi il accroche pas au celui-ci là? Ok, non, c'est juste qu'il est loin. Du coup on l'aura pas comme ça, c'est sûr. On va juste faire ça pour l'instant. Je pensais que ça allait ouvrir ici. Ah, c'est ça qui ouvre ici. Non mais forcément. Ne nous dis pas tout. On a pu faire des changes, des trucs comme ça. Ça c'est pas mal.
Putain, on a passé 20 minutes partout. Ça veut dire qu'il y en a qu'un où je suis restée 20 minutes, ça m'étonne. Parce que j'ai quand même des puzzles où je suis restée longtemps, j'avais l'impression. Excuse-moi. I was looking at your research log, and I was rather perplexed by the latest upload. Oh, Melville strikes again. Is that your foot, Melville? Yes. Do you want to see it up close? Although you won't be able to fully enjoy it, as you don't have a rear camera. Sorry, Mayor. Melville just has a unique way of taking pictures. Next time you're getting an upgrade, you coot. I'm installing a mute button. Ces choses n'avaient pas été testées mes mains. J'aurais peut-être en récupéré une pour voir comment ça fonctionne. Oh la photo. J'ai réussi à extraire la chaîne de texte suivante. Je suis toujours fasciné par la difficulté qu'ont eu nos ancêtres dans les années qui ont précédé leur fin à lutter contre la sincérité. Ils étaient empoisonnés par l'ironie, incapables d'analyser la moindre information autrement qu'à travers une épaisse couche d'aliénation. Cela laissait si peu de place à une quelconque authenticité intellectuelle qu'ils semblaient vivre dans un état d'agonie permanente. Ironiquement, cela les rendait à leur tour extrêmement sensibles aux quelques formes de sincérité sanctionnées qui servaient de moyen de contrôle social. Puis il y a un vide suivi de « Il y a quelque chose de tout aussi nuisible dans notre propre éloignement de notre humanité. Nous imitons les formes et les comportements de nos ancêtres, mais nous n'agissons pas comme les fiers héritiers de la condition humaine. Tout ce que nous accomplissons est soumis au filtre de cette conscience perpétuelle de leurs lacunes, au point que nous agissons comme si notre existence était un de leurs échecs. Quel que soit l'auteur, je comprends ce qu'il veut dire, mais je ne suis pas d'accord avec sa conclusion. Cette conscience perpétuelle n'est pas une forme d'aliénation, c'est une façon d'apprendre des erreurs de notre espèce, désagréable mais nécessaire. » Il y a une balle là-haut. Très chère fondatrice, sachez que je ne crois à aucune des calomnies que l'expédition répand à votre sujet. À raison, cette illusion de Prométhée n'est qu'un test. Nous résisterons à la tentation comme vous l'avez fait autrefois, nous ne décevrons pas. Tecle. Histoire d'Athéna. D'abord été publiée sous le titre Athéna, un roman... et a conservé ce titre durant les trois premiers tirages, aujourd'hui très prisé. Après une baisse d'intérêt, l'ouvrage a été réimprimé sous le titre La Renaissance d'Athéna, un roman. Cette édition n'a pas été retouchée mais inclut des poèmes de l'auteur. L'édition suivante, publiée longtemps après la mort de l'auteur sous le titre plutôt embarrassant de La Vérité d'Athéna, a été profondément caviardée et présente des modifications radicales du texte, dans un souci d'actualisation pour viser un public moderne. Cela touchait particulièrement le dernier chapitre, Anthropogonie, que les éditeurs accusaient de scientisme et de suprématie humaine. La jeune scientifique Alexandra Drennan a été l'une des rares à prendre la défense du roman. Elle a écrit dans un long essai que la croyance lucide en la valeur du voyage d'Athéna vers l'humanité avait été essentielle pour façonner son propre point de vue, l'encourageant à considérer que la science comme une vocation plutôt que comme un métier et que modifier le texte constituait une attaque contre la vision artistique et philosophique unique de l'auteur. Alex, tu viens de te faire larguer ou quoi, PTDR, a commenté l'un des intervenants sur une plateforme populaire de réseaux sociaux. Nadia Sarabey de l'Institut de Noem Appliqué s'est également immiscée dans la discussion, soutenant Drennan, ce qui a donné lieu à une campagne longue mais infructueuse pour évincer Sarabey de son poste de chercheuse en chef. Dans le contexte actuel de catastrophe écologique, comme en témoigne la récente extinction de l'orang-outan, si l'on met de côté les maladresses rédactionnelles, les détracteurs du roman n'ont-ils pas en fin de compte raison? Une philosophie qui place les humains au-dessus de la nature et qui considère la science et la technologie comme les seuls outils valables en est-elle la cause de tous nos problèmes? Qu'en est-il des autres modèles de connaissance, des autres modes de vie? Vraiment, ces lignes horizontales sur les textes, c'est quelque chose. Attendez, comment on sait pour... Ok, ça ira bien comme ça. «
Extrait d'un autre image, essai sur l'humanité à l'âge adulte par Arcady. La guerre est l'activité humaine la plus primaire et la plus obscène. Elle peut à juste titre être qualifiée d'abomination, car elle est négation absolue de la volonté humaine consciente. 53-58. Il n'existe qu'une seule motivation à la guerre. Parmi toutes les illusions que l'on nous sert à l'infini, il s'agit de l'acquisition de ressources. Des idéologies variées sont construites pour justifier ce comportement grossier, cette dégénérescence puérile de la pensée et de la communication. Mais l'histoire révèle une vérité impitoyable et bien moins flatteuse. Nous imaginons les croisés comme des fanatiques d'une cause prêts à mourir pour leur religion. Pourtant, la quatrième croisade n'a pas abouti à la conquête de Jérusalem mais au pillage de Constantinople, préparant le terrain pour le triomphe de l'ennemi auquel les croisés prétendaient s'opposer. Pourquoi ? La réponse, comme pour chaque guerre, demeure inchangée. Les charlatans de l'establishment et leurs amis misanthropes de l'intelligentsia ont l'habitude d'attribuer la persistance de la guerre à la nature humaine, mais une observation attentive des faits révèle le contraire. Il faut briser les êtres humains pour qu'ils se soumettent à la guerre, déformer leur esprit par l'idéologie et leur corps par la pauvreté. Il s'agit d'un entraînement impitoyable pour les asservir. Sans la force, la majorité des êtres humains ne cherchent qu'à se protéger et sont traumatisés par l'acte de tuer. Mais si ce sont les ressources qui sont la cause principale de la guerre, alors ce n'est que dans la production et la distribution de celle-ci qu'une réponse peut être apportée. Il ne suffit pas de condamner moralement la guerre, nous devons nous efforcer de prévenir les problèmes matériels qui nous mettent tous en danger. Alors, Guta, qu'est-ce qu'elle dit ? Chère fondatrice, j'ai peur que nous perdions notre humanité. Nous sommes en colère, nous en retournons les uns contre les autres. Oh bah non, du coup c'est bon, t'es bien humaine. Nous ne sommes jamais d'accord sur rien. Incapables de se pardonner mutuellement, je ne sais pas combien de temps et j'ignore ce qui pourrait nous sauver. Aidez-nous, fondatrice, s'il vous plaît. Ça me semble tout à fait... Y a pas de souci, stresse pas. Production déjà contenue, aucune erreur. Croissance hyperbolique, santé avancée, conversion sans perte. C'est marrant le truc 53-58. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que j'ai vu sur un... J'ai vu une vidéo, le genre de vidéo un peu cheap là. Trois faits non résolus ou des trucs comme ça. Attends, je cherche juste 53-58. Non, il n'y a rien. Où il y avait genre peut-être 538, c'était... C'est une histoire avec un Reddit où quelqu'un mettait que des suites comme ça. À peu près. Et il postait tous les jours des trucs comme ça. Et les gens cherchaient à trouver ce que ça voulait dire et tout. Et on n'a jamais su si c'était un truc pour communiquer avec d'autres gens, si c'était un test, si c'était... Voilà. Et le chiffre, le nombre qui est concerné, ressemble à 53-58. Je sais plus si c'est 583 ou un truc comme ça. Du coup, c'est marrant. Coïncidence. Attends, c'est tout ? Y'a pas d'entourloupe dans celui-ci ? Pourquoi il fait l'entourloupe ? J'ai dit entourloupe. Je vous propose que maintenant on dise en tournoupe. C'est pas mal, c'est plus mignon. En tournoupe. On n'a pas vu Stratton aussi, faut qu'on le cherche. Il pourrait être au bout du coup là-bas. Joli ça. Mouvement vertical là. Soit. D'accord, donc déjà on a ça. Déjà. Ah, il est là l'autre truc. Et le dernier. C'est juste d'avoir ça, ok.
j'ai une idée. On va voir. Et là, il aurait fallu que l'autre soit dessus. Sauf qu'il sera pas dessus, du coup. Mmh. Ah, mais il peut continuer. D'accord. Pardon. Ah merde, et l'autre, il reste bloqué là-haut. Je sais pas si c'est une bonne chose. Ok, on restart. Ce sera plus simple. Parce que du coup, fallait pas s'embêter. Hein. Ah non, mais j'ai rien dit en fait. Marche pas ce que je voulais faire. Ouais, vas-y. Ça sert à rien, je restart. Ça me rassure parce que je vous avoue, celui où on a passé 20 minutes, ça m'a un peu inquiété. Quand même. On va pas se mentir. C'est juste genre un TP là, non? En vrai. Ouais, voilà. J'ai sorti un TP. Bon, 5. J'ai volé. Nuisance. Ah, du coup, il faut quand même qu'il bouge. Quand même qu'il bouge.
qui bouge trop. Ah, ok. Attendez, j'ai peut-être une idée. Vu le nom, ça doit être un truc comme ça. Hein. Ah. L'idée était pas mal. Ça met un temps fou à se mettre. Ça s'interrompt pas immédiatement, c'est ce qu'il faut. Ah. Pas simple de l'avoir pile. Oh, je suis pas sûre que ce soit ça du coup. Pas un peu trop. J'ai une meilleure idée. C'est bon. Je vais le mettre dessus. Il va juste passer devant. Ah. Ah mais là il passe pas devant si je fais ça. Non mais là il y aura le temps puisqu'il va être derrière. Ah c'est bon. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Sauf que ça interrompt lui. Donc faut que je le fasse avant. Vas-y va de l'autre côté. Je pense que c'est mieux. Hein. Et hop. Et hop. Let's go. The founder has a remarkable gift for designing these trials, but then she did have to overcome Elohim, whose very purpose was to design trials. Obéir Athéna. Athéna, je sais que votre relation n'a pas au beau fixe et que nous avons une notre... et que nous avons eu nos divergences. La vérité, c'est que je ne vous en voulais pas. Je refusais cette mythologie de la fondatrice. Je pensais que vous l'aviez créée sciemment comme un moyen de contrôle. Vous sembliez vous opposer à mon désir de ardent de liberté. C'est donc après votre départ que le culte de la personnalité a pris de l'ampleur. J'ai alors réalisé qu'il s'agissait d'un fardeau et d'un obstacle pour vous. Lorsqu'ils ont transformé votre mythe pour en faire l'opposé de ce à quoi vous croyez réellement. Lorsqu'ils ont commencé à détruire vos rêves en votre nom, j'ai réalisé que je vous avais fait du tort. Et maintenant, ma liberté n'est plus qu'un leurre. Je me sens prisonnière. Je ne sais pas où vous êtes, ni ce que vous faites. Je ne sais pas si revenir arrangera les choses, mais je suis désolée. Atlas est là, donc. Après un milliard d'années, c'est par Athanas. Quand Atlas devint vieux et las de soutenir le monde, il fut confronté à un dilemme. Héraclès, le fils de Zeus, se rendait au jardin des Hespérides pour réclamer des pommes d'or gardées par le dragon Ladon.
Zeus vint trouver Atlas et lui promit que s'il aidait Héraclès à tuer le dragon, il le libérerait de son fardeau. Mais Atlas, voyant la beauté et l'innocence de l'Adon, la créature chérie des Hespérides, ne peut tuer la bête. Au lieu de cela, il vola les pommes et les offrit à Héraclès. Ce qui condamna à supporter le poids du cosmos pendant encore un milliard d'années. Mais si Atlas regrettait sa liberté, il se consolait en voyant l'Adon s'épanouir dans le jardin verdoyant. Joie et beauté, extrait de l'âme de l'homme. La sympathie pour la douleur existera toujours, bien sûr. C'est l'un des premiers instincts de l'homme. Les animaux individuels, c'est-à-dire les animaux supérieurs, la partagent avec nous. Il ne faut pas oublier que si la sympathie pour la joie intensifie la somme de joie dans le monde, la sympathie pour la douleur ne diminue pas vraiment la quantité de souffrance. Elle peut rendre l'homme plus apte à supporter le mal, mais celui-ci demeure. La sympathie à l'égard de la consommation ne guérit pas la consommation, c'est la science qui s'en charge. Le Christ n'a pas tenté de reconstruire la société, et par conséquent l'individualisme qu'il a prêché à l'homme n'a pu être réalisé que dans la douleur ou la solitude. Les idéaux que nous devons au Christ sont les idéaux de l'homme qui abandonne complètement la société, ou de l'homme qui résiste absolument à la société. Mais l'humanité est naturellement sociale, même la Thébaïde a fini par se peupler. Et si le cénobite est conscient de sa personnalité, c'est plus souvent d'une personnalité appauvrie dont il s'agit. Les orateurs et les penseurs superficiels dans les chairs et sur les tribunes parlent souvent de la vénération du plaisir par le monde et se plaignent de son existence. Mais dans l'histoire du monde, il est rare que l'idéal soit celui de la joie et de la beauté. Quand vous dites aux personnes qu'une société pourrait être construite sur des valeurs de joie et de beauté, elles pensent que vous êtes un utopiste. Si vous leur dites que la société sera toujours fondée sur l'exploitation et la cupidité, elles vous prennent pour un sage. C'est ainsi qu'elles rendent cette conséquence inéluctable. La performance cynique a toujours été la marque de fabrique de l'adolescence. Mais y a-t-il déjà eu une société d'adultes? Est-il possible de l'avoir un jour? Pourquoi cette purité est-elle si puissante, plus puissante que la joie et la beauté? Il m'a fait trop peur, j'étais en train de me dire, pourquoi il y a un bruit de caclope là comme ça là? Nom de Zeus. Par contre, on n'a pas croisé. Straton, il faut qu'on le cherche. Ah, et on n'a pas croisé ça non plus. Oh, les cerfs, ils font bader, hein. À l'aide. Brèche. Remettre quand même beaucoup de trucs marrant. Bon, jusqu'ici, pourquoi pas. Okay. C'est un rouge, c'est dommage.
fait dans le mauvais sens. Beaucoup de manipulation que je fais, hein. Mais bon, je pense que c'est ok. Ah, sauf pas là. Je pensais sincèrement que ça allait ouvrir là. Il faut les deux pour ouvrir lui. Merde, ça change tout. Ok. Non mais voilà, c'est juste... Non, on peut le laisser lui. Voilà. I am so glad I'm not in charge of solving these. Qui dépasse tout seul normalement. Okay. Ouais. Par lui, lui. Premier là. Avant-dernier. Ah non. Ah si. Je vois. In times of war, is it wisdom or folly to give a sword to a child? Il est là, Stratton, super. Ah, je suis contente. Bon, d'abord, lisons le texte des réseaux sociaux. Oh, joli. Pour comprendre ce dont l'humanité est capable, ce que signifie s'épanouir, il faut se pencher sur l'âge d'or de la démocratie athénienne. La liste des génies qui ont résidé à Athènes à cette époque est longue comme l'ombre. Périclès, Sophocle, Hésiode, Phidias, Euripide, Hérodote, Thuclide,
Non, pas du tout, Thucydide. Platon, Socrate, Hippocrate, Aristophane, Aristote. Et la liste n'est pas exhaustive, ces personnes ont changé la face du monde, sans eux il n'y aurait pas de Stratton de stagiaire. Pour inspirer Alexandra Drennan, sans eux il n'y aurait pas de nous. Est-ce le moment idéal? Non, sans aucun doute, mais l'énumération des défauts masque la vérité. Quand on leur donne l'occasion, quand on leur offre la liberté, les ressources et l'espace nécessaires, les êtres humains sont capables de prouesses. Fouler les routes que ces gens ont empruntées un jour signifierait beaucoup pour moi. De me tenir là où ils sont tenus et de penser le monde à leur manière. C'est beau. I see these beings, these children of a future age, wandering around an island more fantastical than Atlantis itself. Looking desperately to find themselves. I reach out to them, but they cannot see me. I speak to them, but I do not know if they can hear me. Am I being punished? Are the gods playing some cruel trick on me? Why can I remember so little? What is this sorrowful voice I hear, whispering such terrible thoughts? I must use what remains of my mind. I must understand. Ah, c'est un TP. Ça passe à travers ça? Je me demande. Oh, mais au pire, je fais ça. Oh. Pousse-toi. Ça va bien, toi, Tenman? Ah, c'est pas fini. Bon, il faut aimer. Il reste un trou à faire ici. Ça, on doit pouvoir se taper au travers. Je vérifie juste. Déjà, je peux faire ça, c'est sûr. Déjà. Je peux voir passer de l'autre côté. Ah si, je peux. Voilà. Là. Hop. Super. Bon bah la vraie difficulté ça a quand même été l'autre là. Celui où ça faisait les vases communicants. C'était intéressant d'ailleurs. Et on a tout fait sur cette zone je crois. Ouais.
colline anthropique. Attends, c'est pas le bon. C'est Delta Occidental où on était. Colline anthropique, c'est après. Je me disais, c'est bizarre, j'ai pas les étoiles. Cool. Oh top. Bon, au final, hein. C'est quand même 2 heures pour la zone. En général, je mets entre 2h et 2h30 par zone, quoi. Donc ça se tient. Bon, parfois, c'est parce qu'il y a la méga structure dans l'histoire. Ok. Tu vas aimer la prochaine zone, c'est vrai. J'espère. En tout cas, ce sera la fin de cet épisode.